Bonjour à tous, nous sommes sur une parcelle d'essai de la coopérative de Bonneval avec ses Cobras pour vous présenter une nouvelle préférée 2024 en blé tendre de chez Semences de France, King Kong. Avec un nom évocateur comme celui-ci, on est vraiment face à une force de la nature. Anne-Charlotte, que peux-tu nous dire de plus sur ce blé non barbu sur un cycle de développement chevignon? En effet Simon, King Kong est calé sur ce type de précocité avec une précocité à épiaison demi-tardive à demi-précoce et une précocité montaison demi-tardive. Ce créneau de précocité lui permet d'être semé sur toutes les dates de semis. Et sa zone de culture peut aller des terres profondes en Sud-Loire jusqu'à l'ensemble des terres en zone Nord-Loire. Quentin, la coopérative de Bonneval a référencé King Kong. Peux-tu nous expliquer ce choix? En effet, la coopérative a référencé King Kong dès son inscription en 2023 pour différentes raisons. Tout d'abord, son potentiel de rendement qui est 4% supérieur au leader du marché, ainsi qu'à son potentiel agronomique. C'est une variété qui réagit très bien à la rouille jaune, qui est tolérante à la septoriose et qui a un très bon comportement en fusariose également. Elle est de plus tolérante au chlortoluron. C'est donc un blé qui a de nombreux atouts au niveau agronomique. Et Anne-Charlotte, qu'en est-il de son aspect qualité de grain? Sa qualité de grain est excellente. Il propose en effet une très bonne teneur en protéines ainsi qu'un très bon GPD. Et en plus de cette qualité, il propose un PS excellent entre 78 et 79 selon les années sur la base de nos résultats d'essai. King Kong est donc une variété productive, régulière sur les différentes années et sur les différents types de sols, avec une très bonne qualité de grain et un très bon profil maladie. King Kong est aussi une variété qui a une très bonne qualité meunière. Elle est d'ailleurs en observation auprès de la NMF. En effet, je pense que tu as bien résumé la variété. Et ses nombreux atouts et sa précocité font qu'elle se développera très bien à la coopérative. De plus, sa protéine et son PS sont gages de qualité pour les agriculteurs et pour la collecte de la coopérative. Nous sommes tous d'accord sur ce magnifique blé. Nous vous souhaitons une bonne récolte 2024 et espérons que vous soyez séduits par cette force de la nature.